Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en plein bureau. Et, président, bienvenue, Bambale, les a plateaux spéciaux, les a Jourji, Mbotama est là, mon président MJC. Et bienvenue, Bambale, au fête anniversaire. Le toi qui est dans le cadre de l'émission, mais tu bon, on est comme dans le cadre anniversaire. Mais Rosan, tu as des mots concernant la signature arrangement particulier à tes anniversaires. Naïe, à tous, c'est le prêt au fête anniversaire. Tu as une photo. Ndenge to publié en gona kati ya Facebook. Maman, bonjour. Bonjour. Point de vie, le lusa spécial anniversaire à moi namboka, bienvenue Bambale. Un mot par rapport ya boujou et bakisa minsou na age naye. Lelo les anniversaire ya bienvenue Bambale. Eza sengo mingi na famille na biso Bambale. Po abakti sou un plus. Et puis un plus ntamba bakisele belé koleka oza nango. Yango to ane sengo na lelo to za en famille surtout. C'est pour cela, n'a habité. Je manque nzangi maloba koloba, toi toujours l'enseigne. Merci. Moi na soka koli moi age bakisa mina vie na ye moi sagesse et colère le mode de parti, il y a particularité to privé. Okoloba na ndekona mobali le lezani. En tout cas, nzambe atonte sous intelligence et sagesse. Ay ba kokoba susur na makambo azo sala et continuer. Et bakisa mais sous plus que les quoi zanon. Merci. Combo. Francine Bambalati et Bobiche. Merci. Dété, bonjour. Bonjour. Le Lotoyé, plateau spécial, dans le cadre d'anniversaire à président. Un mot par rapport à Bougio et Baksa Mesouna, âge à président, et quelque chose de particularité au rôle de Lelo et pas à président. Bienvenue, Bambalé. Ouais, merci pour la parole. Lelo et Zali, anniversaire à président, et bienvenue, Bambalé. Président à MJC. Mais à ça, politicien karaté, azap entrepreneur, dans la société à gardinage, agence d'ESP. Nanaza comme directeur technique agence d'ESP. Donc c'est mon patron direct. Na sepeli anniversaire na yé. Et puis na oyazo ça là na cadre politique na mboka na biso. Donc ça montre que dans les jours à venir, courant oyazo memana et qu'on change penza makambebe na mboka na biso. Merci. Lelo Bougie et Bakisa Minsou sont en vie à président, mais sur le plan privé, yo vandarane mingi mingi. Concernant ni malonga to ya makasa ko pesa lelo. Bon, celle concerne la ko pesa yé a demeuré kaka ndenga zo kende wana parce que position za nango wana yango de obik sa peuple congolais na jeunesse congolaise quoi. Voilà, c'est un peu ça. Merci d'être. Bonjour. Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre de l'anniversaire du président bienvenu Bambalé. Vous êtes d'abord qui dans sa vie et puis si vous pouvez vous présenter aujourd'hui. Je suis Christelle, sa nièce. Un bougie de plus vient de s'ajouter dans la vie du président. Bienvenue Bambalé. Un mot de particularité par rapport à son mandat. Bon, qu'elle est très haut, puisse réaliser tous ses rêves. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'anniversaire. Il y a président y a MJC, bienvenue Bambalé, plateau spécial. Tout fêté, tout célébré, fête. Yosa Moko, Bambouka Kat, y'a parti. Un mot de plus par rapport à bougie, Baksami, la vie à président. Oui, Nassépele d'abord. Président Azam Tomoro na 8 ans na vanyene makasi. Alors je suis d'abord fier nazala pembeni naye et pour cela aujourd'hui toza ibelete. Je suis parmi les gens privilégiés au président Bengi. Alors ça me va vraiment tout droit au cœur pour ça et nazo remercier pour l'invitation oyo à inviter nga pona à passer journée au ngana lelo. Olubani na bato olubag président ou menana batute. Ah non. C'est qui est sûr, ceux qui batwa le bongo batwa ngona ko lobaza mutema be. Pourquoi? Le président Nabiso Azana système encore. Il veut la compétence. Les gens qui sont vraiment capables de travailler auprès de lui. Et ça, le que non, tu travailles un bon matin, oui, madame, encore. Non. Ah ouais, dans MJC, on veut les gens qui travaillent, les gens qui ont. Vous Mungala, t'es. T'as vu ça, Marama, oh Mungala. Non. Ah ouais, c'est le travail. Ici, c'est le travail. Tu as un privilège pour ça, ta province. Même pas. Dans ta province, n'a été. Non, nulle part, Maramana. Ah oui, ça travaille. Si tu veux entrer ici, émerger dans la partie Oyo, tu dois te mettre à travailler. Là, tu verras que notre président Rosano très bien. Merci. Tu as la caméra. Tu as la caméra en face. Parce qu'au rôle de Nini, il y a ma casse. Le président sera à l'émission, à retenir que moi, en attendant le cas de l'Obagi, quelque chose, il y a ma casse. Il y a un captivé moral. Ah, Lelo, le président, bienvenue, Bambalé. Il faut tout changer, mentalité, conscience et jeune. Tout ça pour que les gens soient basés sur conscience. Aujourd'hui, ils sont venus sur le micro, les députés, ils votent, ils vont faire partir. Alors tout ça pour que tu émerges. Pour cela,
Nous avons invité Batunyoso. Et je sais pas pour Batunyoso. Surtout les jeunes. Tout ça pour ça, les jeunes. Alors pour les jeunes, tout ça pour ça, d'abord, changer conscience. Pour cela, la porte est ouverte à tout le monde. Baya, tout ça pour ça. Alors, ceux qui sont baillés, on fait la route ensemble avec eux. Merci pour ça. Bienvenue, Mandalo, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bon anniversaire. Merci. Nous avons fêté, nous avons mangé. Vos impressions par rapport à cette date qui vient, cette bougie qui vient de s'ajouter dans votre vie? Bon, pour ma part, sincèrement, j'ai béni l'Éternel, puisqu'aujourd'hui, j'ai un an de plus dans ma vie, et ce qui fait que je continue à dire que Dieu veut de moi, ce qui me permet de continuer à vivre longtemps, pour peut-être réaliser la mission qui m'a géré et octroyé. Donc sur ça, j'ai dit merci. Merci, Président. Aujourd'hui, l'arrangement particulier est signé. Votre commentaire par rapport d'abord à cet arrangement particulier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la majorité présidentielle et le rassemblement, elle, les Manco, ils ont violé encore l'accord du 31 décembre? En tout cas, pour dire vrai, c'est une grosse farce qui vient de se réaliser là. On ne peut pas mettre les charrues avant le bœuf. Normalement, peut-être devait commencer par cette, arrangement, bien cette signature, avant de passer par la nomination de Premier ministre. Normalement, les signatures sont déjà été faites par ces dialogants qui étaient 32, avec l'inclusivité. Maintenant, le Parlement qui invoque qu'il y a la signature, je dirais, de ces accords, mais sans, je dirais, tenir compte des vrais, je dirais, auteurs de cette, je dirais, dialogue. Quand on parle de ça, c'est le rassemblement, elle, je dirais, l'UMETE, et puis réellement l'ANCINCO, qui ont battu un travail formidable, mais ils n'ont pas pris, je dirais, part dans cette... Que direz-vous aux gens qui disent que l'ANCINCO a joué? Monsieur, vous ne me laissez pas parler. Aujourd'hui, l'ANCINCO, pour ma part, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas échoué. Pour ma part, ils ont fait un travail à 98%. Vous êtes à l'école, quand vous arrivez à obtenir des 98% de, je dirais, de points, ça veut dire que vous avez pris 100%. Donc, les 2% qui manquaient, c'était la part où les chefs d'État devaient juste mettre en place l'applicabilité de cet accord. Maintenant, c'est vrai, dans cet combat, c'est une bonne lutte. Parce que comme je disais, c'est au pouvoir de faire tout, de garder le pouvoir. Et c'est à la majorité plutôt à gérer à l'opposition de faire tout, d'aller chercher le pouvoir. Donc c'est vrai, le chef de l'État a dit créer des diversions auprès de l'opposition pour le pousser à la faute en demandant les trois noms. Oui, c'est vrai, ce n'est pas dans les accords. Moi, j'aurais voulu dire à mon ancienne famille de Rassemblement de violer ces accords pour donner trois noms d'une façon que d'aller coincer le chef de l'État par rapport à sa demande qui est peut-être, je dirais, insensée. Pour aller combattre de l'intérieur. Et malheureusement, ils sont restés dans le respect de l'accord en refusant de donner trois noms. Ce n'est pas faux. Et c'est par là que le chef d'État a dû profiter pour peut-être nommer, bien accepter le trois noms donnés par les dissidents de renseignement de L. Oleng Ankoy. Mais qui ne sont pas aujourd'hui le renseignement, ce sont juste des individus qui se sont créés un groupe appelant le renseignement. Parce qu'à la base, le renseignement, ce sont des plateformes. Ce n'est pas les individus qui ont sorti trois personnes en disant que voilà, il devient renseignement. Merci. Comment voyez-vous aujourd'hui la position de Vital Kamerhe par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Moi ou les autres sont en train de signer l'arrangement particulier, il est au Bandundu, il est au Bas-Congo, et aujourd'hui, le samedi qui va venir, il va encore faire sa meeting au 24 novembre. Et dans tout ça, vous, bienvenue Bamba Letang, qui est président des MCC, quelle vision vous avez sur la CENI et puis sur les employés? Alors je suis un aigle déjà, donc je ne suis pas le porte-parole de Vital Kamerhe. Je vois ce qui est fait. Je vois jusqu'à où il peut aller. Je ne peux pas me permettre de parler à son nom, peut-être donner ne fût-ce que ma voix. De ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, pour ma part, je ne suis pas encore dans ces courses-là, de jouer en couteau de me tranchant. Mais moi, je parlais plutôt pour la CENI. Hein, parce que la CENI, c'est très important que Vital Kamerhe. Aujourd'hui, c'est aussi un opposant comme moi qui bat campagne pour lui, entre parenthèses, pour, entre parenthèses, le président en place. Je m'en passe. Aujourd'hui, la CENI, ils ont un travail à faire, mais malheureusement, ce travail-là, qui est voué déjà à l'échec, puisque on a fait l'expertise. On avait dit réellement, on pouvait, j'aurais aujourd'hui embauché 17 000 jeunes Congolais, des étudiants qui manquent du travail aujourd'hui, le dispatcher en 28 provinces, en même temps, avec le matériel nécessaire pour effectuer ces enrôlements. Dans 2 mois, on avait tout l'enrôlement fait en même temps. Ça, c'est notre expertise. Je les ai communiqué ces projets, mais malheureusement, ils ont fait vraiment la sourde oreille. Ils ont commencé l'enrôlement, mais j'irai en compte-gouttes, en faisant l'enrôlement, canton ou bien territoire par territoire. C'est très bien, mais aujourd'hui, avec le 8 mois qui nous reste, j'ai craint que l'enrôlement en question pourra le finir à temps et à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
au moment donné, nous allons arriver, ils vont dire d'où c'est vrai, le temps est presque contre nous, on ne pourra pas faire les élections parce qu'on n'a pas fini l'enrôlement. Déjà, au niveau des Kassai, ils avaient dit que c'est pacifié, mais malheureusement, ils viennent dire qu'aujourd'hui, le Kassai devient un territoire un peu... Aujourd'hui, ça craint. Ils ne peuvent plus envoyer des gens pour faire les enrôlements en Kassai. Donc demain, ça sera quoi? Béni, ainsi de suite. Aujourd'hui, inconsciemment, le Congo, il se bacanise un peu au fur et à mesure. Donc, le projet, on connaît le projet, mais je n'ai pas alarmé la situation à la population. Mais pour faire simple, les élections, c'est cette année, il n'y aura pas les élections. Nous allons inconsciemment aller se gérer, se focaliser. Il faut un troisième dialogue. Ça, c'est malheureusement inconsciemment. Le renseignement de l'IMET, ils ont dû permettre, je dirais, à la majorité d'obtenir encore un gain de temps pour que Tshibala sorte son gouvernement, peut-être deux ou trois mois. Ils ont gratté le temps. Le temps qu'ils repartent encore dans des pourparlers, donc troisième dialogue, si on peut le dire. Le temps que Tshibala tombe, donc, pour qu'il rentre après. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on tue le temps. Mais à l'avantage du rassemblement. Donc aujourd'hui, Kabila, il est content. Lui, il s'en fout, il est à la tête du pays. Donc si vous perdez deux mois, trois mois, il s'en fout. Lui, ça ne l'embête pas. Son souci aujourd'hui, qu'il reste à la tête du pays, cette année qu'il n'y ait pas les élections, qu'au fur et à mesure qu'on s'avance, que nous puissions s'approcher à son projet de l'OIA, qu'on puisse faire les élections en 2018, selon les accords de 2010, c'est-à-dire de l'OIA. Puisque les accords de 31 décembre, c'était prévu que nous puissions faire les élections cette année. Et ça, ça n'arrange pas la famille politique Kabila. Donc, il doit faire tout le gérer les diversions nécessaires pour nous empêcher à faire les élections cette année. Comme ça, au moins, il peut gagner 2 ans à la tête du pays. Et puis, peut-être au passage, dans la foulée, créer un référendum, un troisième mandat, et c'est pérenniser au pouvoir, que ce soit Mobutu bis. Merci, président de l'ONU. Aujourd'hui, la CENI continue à enrôler. Est-ce que Bienvenu Bambalé a été consulté d'abord, chez Bruno Tshibala? Dans ce nouveau gouvernement, on verra la présence des bienvenus. Ça, ce sont les questions que les téléspectateurs ont posées. Par rapport à tout ça, quelle est votre vision aujourd'hui sur l'avenir du Congo? Est-ce que nous aurons les élections en décembre 2017 ou en avril 2018? Alors, je ne vais pas me répéter, cher ami, nous parlons français. Ouais. Donc, j'ai été consulté. Oui, je ne me cache pas. Ouais. Et puis, même à l'époque de Badibanga, si j'aurais voulu, je pourrais être aujourd'hui avoir un ministère. Mais j'ai du nom. Puisque... Pourquoi? Aussi longtemps que vous avez déjà quitté le rassemblement. Mais ce n'est pas un bon gouvernement, monsieur. Vous savez, je suis un visionnaire. J'ai quitté l'Europe, femme, enfant, pour faire la politique pour 3 mois, 4 mois, c'est pas intéressant. Donc si je veux rentrer dans un gouvernement, c'est pour faire tout un mandat de 5 ans. Vous voyez, je suis un visionnaire. Rentrer quelque part pour 3 mois, c'est de mettre une balle dans le pied et puis se faire tuer. Puis ce gouvernement-là, avec ces régimes-là, aujourd'hui que moi j'ai combat, je ne vais pas aller faire des salam alaikum à M. Kabila. Donc je veux qu'il y ait les élections, qu'on puisse choisir le vrai président, si je ne suis pas à la tête, ou je rentre dans un gouvernement où on fait un mandat de 5 ans. Qu'un gouvernement pour 3 mois, ça ne m'intéresse pas. Donc pour les élections, j'avais déjà répondu. Merci. Aujourd'hui, le corps du patriarche va arriver le 12 mai. Il sera enterré dans son fief à l'île de Pès. Est-ce que la loi permet qu'on puisse enterrer d'abord le corps humain en dehors du cimetière, dans une parcelle quelconque? La loi Congo. Oui, nous sommes bantous. À l'époque, ça se faisait. J'ai vu des maisons où des fois, les papas Kolopang, ils ont été enterrés chez eux, à Bas-Congo. Moi, j'ai étudié en Banzangongo. Il y a des gens qui ont été enterrés chez eux. C'est pas mauvais. Mais pour ces messieurs, c'est trop petit pour lui. Donc, c'est là où je dis, je condamne le régime en place. J'aurais voulu quand même qu'il permette à ces messieurs-là d'avoir un espace public. Parce qu'il y en a trop. Le Congo est très grand. On a des ronds-points, des fois, qui ne servent à rien. Qui pourraient quand même permettre à ces messieurs d'avoir un espace à lui privé. Qu'on pense à lui comme, je dirais, qu'un père de la démocratie. Qu'on l'enferme dans, dans son siège social. C'est petit. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas que patriarche. Aujourd'hui, quand on parle aussi des cas de Mobutu, Tshombe, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont contribué pour ce pays-là. Mais malheureusement, on est dans un régime, c'est qu'ils arrivent au pouvoir, ils veulent pas céder la place aux autres. Mais le Congo, ce pays appartient à personne. Ces gens qui sont arrivés de nulle part, qui arrivent aujourd'hui présents chez nous, qui veulent s'accaparer de tout. Et ça, moi, je la condamne. De quelle manière aujourd'hui l'Église catholique peut sauver son image? Ah, je ne suis pas le bon Dieu, mais sincèrement, pour mon part, ils ont fait un travail qui est honorable. Maintenant, ils ont la racée, leurs bandits qui sont là. Donc on ne peut pas condamner ces gens-là. Le problème aujourd'hui, ils ont fait un travail que...